box, un coca pour parler. En parlant pour parler, le visage pour faut que j'aille demander le numéro de téléphone de cette jolie canaille. Mes joues s'enflamment, mes yeux de biche s'écarquillent. J'ai le feu en moi, même pour te donner l'heure, mes pensées s'éparpillent. Bon, y'a grave le temps, rien de presse. Obligé, je suis cramé si je la rappelle ou si je la texte. De toute façon, elle est maquée. Y'a pas moyen, pourtant c'est louche à chaque fois que je la mate, son regard croise le mien. Est-ce que ses potes qui l'entourent sont au courant? Sur leur visage pendent des sourires un peu trop confidents. Faut que je me lance et que j'aille lui parler. Enfin non, faut que j'attende qu'elle vienne m'aborder. On attend quelque chose mais sans jamais savoir trop quoi. Quand l'occasion se présente on reste souvent un peu trop quoi. Caché, je jette dans mon rétroviseur des coups d'œil, j'espionne, voilà que sonne l'heure. Je suis pas trop le genre à la squatter, mais depuis que je l'ai vue, je suis assidu à la BU comme un soifard au PMU. Mais j'ai mûri et prends le temps d'étudier les lignes, les traits, la plastisseuse, visage étranger. Les livres m'envolent de pas leur sourire comme à la rose d'en face. Je me cache derrière pour jouer l'intolo qu'elle passe quand elle passe. On aime quand ce jeu dure, pas pressé qu'il finisse. Du moins c'est ce qu'on dit quand on voit que la partie s'éternise. Entre la vraie vie et la Nintendo, c'est pas les mêmes codes. Pas d'étoiles magiques de sauvegarde si je déconne. Bon, faut que je coupe court à cette chanson, faut que je file. C'est l'air de les griller ma clope avec cette fille.